J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre comment crafter des torches de redstone. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Il vous suffit déjà d'avoir des sticks. Alors, si vous ne savez pas faire les sticks, dirigez-vous sur ma vidéo en haut à gauche. Donc, commençons tout de suite. Donc, j'ouvre mon inventaire. Alors, pour faire des torches de redstone, il vous suffit juste d'avoir un stick et une redstone. Pas besoin de plus, hein. Donc, on positionne les sticks en bas. Ça peut être là ou là, s'il n'y aura pas de souci. Et on positionne la redstone juste au-dessus. Alors on peut faire dans ce sens-là, et voilà. Donc on a notre torche de redstone, mais vous allez me dire, mais à quoi peut servir la torche de redstone? J'entends un zombie pas loin. Alors, je crée une grotte, c'est pas grave. Alors, à quoi peut servir la torche de redstone? Alors, je vais vous montrer tout de suite. Alors, voilà, on va creuser. Je positionne ça. Donc ça, c'est de la redstone. Donc, déjà, on peut voir qu'il y a une différence entre la torche de redstone et la redstone. Alors, on voit bien que la torche de redstone, qui est ici, n'a pas le même graphique et n'a pas les mêmes propriétés. Parce que là, logiquement, il aurait dû se passer quelque chose. Alors, si j'inverse, voilà, et on peut voir tout de suite qu'il s'est passé quelque chose. En fait, la torche de redstone a la propriété d'envoyer des flux électriques, on pourrait dire, hein, des flux d'énergie au système. Ça peut être pas mal. Alors, moi, je l'utilise beaucoup dans tout ce qui est MechaCraft. Hein. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller voir quelques tutos qui sont assez sympas et assez simples à réaliser. Comme ça, vous pourrez comprendre l'utilité réellement des torches de redstone. C'était Flemousse dans les tutos craft. Allez, bye bye tout le monde. Bye.